comme on a dit. Angelo. Donc c'est la première journée du 18 avril 2010. Et l'objectif était de tracer un nouveau sentier descendant du Beir Parl et rejoignant en 1934, se souvient d'un, donc, des clichés comme ça quand il était enfant. Il est né en 1927 et se souvient des femmes avec leur robe noire qui descendaient avec un panier sur la tête, avec un chiffon pour tenir la gamelle au chaud. Et donc pour nous, Club Vosgien, en 2010, ben, c'était un petit peu aussi un symbole de travailler sur ce Kaisuslovak, parce qu'à l'heure où la MIV n'existe plus, la SAIC qui vient de fermer la semaine dernière, c'était aussi un peu une façon pour nous de réhabiliter ce Kaisuslovak et d'avoir une bonne cohérence pour le randonneur qui descend du Beir Parl vers Saint-Amarin, par ce, justement, précisément, ce Kaisuslovak. Donc, d'éviter, tout à fait, Pascal, c'était d'éviter le Fichtriesl avec les voitures qui roulent des fois très vite et d'offrir aux randonneurs un sentier forestier avec une vue privilégiée sur le beau vallon du Vogelbach. Le nouveau cheminement qu'on a réalisé fait 875 mètres, donc ça, c'est vraiment un nouveau sentier qui a été pioché. Et donc la réhabilitation proprement dite du sentier du Kaisuslovak, c'est environ, je ne l'ai pas mesuré, mais c'est environ 900 mètres à peu près d'après. Tous les mardis? Tous les mardis après-midi, alors ce sont les retraités essentiellement, et ce sont ces retraités qui réalisent la majorité des travaux sur l'année. Pour vous donner une idée, en 2009, sur 2600 heures de travail bénévole, 1500 heures ont été réalisées par les retraités du mardi après-midi. Et c'est vraiment l'équipe, valeureuse équipe, avec un savoir-faire qui réalise la majorité des travaux d'urgence, des travaux de remise en valeur, des travaux d'entretien, du balisage. Et je crois que c'est la base, cette bonne équipe qui constitue aussi le socle de notre équipe du dimanche, et qui nous permet ainsi de rayonner sur nos 305 km d'itinéraire. Et voilà, donc nous sommes dans le cœur de notre action.